Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 avril 2020. Nous allons voir deux autres phonèmes. Vous êtes prêts? Je vous souhaite un excellent cours à tous. D'abord, je lis. Après la récréation, entrez en classe. Sans vous bousculer pour ne pas vous blesser. Après, on passe à la découverte des images. La première image, c'est un meuble. Meuble. Deux syllabes. Dans le mot meuble est 6 lettres. Et voilà une clémentine. Clémentine. 4 syllabes. Et voilà la couleur bleue. Et pour l'image suivante, c'est une cloche. Cloche. Ensuite, voilà un clou. Une seule syllabe. Et 4 lettres. L'image suivante, c'est le sable de plage. Voilà, le sable. La dernière image, c'est un plat. Plat. Plat de poisson. On passe à l'exercice numéro 1. D'abord, je lis la consigne. Lis les mots et barre l'intrus dans chaque série. La première série. Tableau, meuble, sable, parapluie, blé, blanc. La deuxième série, clé, clémentine, cloche, boucle, bleu, clou. Alors, qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer le mot parapluie. Et la deuxième série, on va barrer le mot bleu. Après, on va voir que si j'ajoute des syllabes à un mot, je fabrique un autre mot. Voilà trois exemples. Le mot pluie. J'ajoute para. Le mot sera parapluie. Le deuxième mot, c'est flûte. J'ajoute des syllabes. Voilà un autre mot. C'est flûtiste. C'est le monsieur ou bien l'homme qui joue de la flûte. Aussi pour le mot blanc, je dis un lapin blanc et une poule blanche. C'est au féminin, blanche. Et pour être en bonne santé, que faut-il faire? Pour être en bonne santé, il ne faut pas manger avec des mains sales. On doit se laver les mains avant et après chaque repas. Quoi d'autre? On doit se brosser les dents avec une brosse à dents et du dentifrice. Et bien sûr, laver les fruits avant de les manger. Sans oublier le sport. Regardez les trois images. La première, c'est un garçon qui nage. Il fait la natation. Deuxième image, la fille court. Le sport pratiqué, c'est la course. La dernière image, c'est le saut en hauteur. L'objectif du sport, c'est de faire bouger les différents membres comme les bras, les jambes, les pieds, les cuisses, le cou, les mains, la poitrine, le ventre, les hanches, le coude, etc. Notre cours est terminé. À bientôt.